J'ai tiré le sentiment que les gens sont contre l'hôpital unique. À cette réunion, il y avait le maire de Tarbes et le maire de Lourdes. Et le maire de Tarbes a vite donné le bébé au maire de Lourdes, qui n'a même plus su quoi répondre. Vous savez, vous ne pouvez pas être pour, contre, avec et pour. Nous, on est contre l'hôpital unique pour les raisons fort simples. L'hôpital de Lourdes est nécessaire, c'est jusqu'à Gavarnie-Avallée. Et l'hôpital de Tarbes, qui n'a que 46 ans, c'est un hôpital très jeune. L'hôpital Lariboisière à Paris, quel âge a-t-il? Alors quand ces gens nous disent que l'hôpital est vieux, non, c'est eux qui dans leur tête sont vieux. Ça nous coûtera moins cher de le rénover. De toute façon, dans le Gers, à Auch, ils rénovent leur hôpital. Nous, dans les Hautes-Pyrénées, on rénovera. Parce qu'on ne veut pas que l'argent public soit jeté par les fenêtres. On en a marre de tous ces irresponsables qui ruinent le pays avec des arguments fallacieux. L'hôpital de Tarbes n'a que 46 ans, on le rénovera. On nous dit il n'est pas attractif pour les médecins. C'est pas une question de, c'est pas parce que vous allez mettre un bâtiment neuf que vous allez attirer plus de médecins. C'est des arguments fallacieux. Les médecins viendront si les conditions d'accueil sont bonnes et compagnie. Puis, il y a des jeunes dans les Hautes-Pyrénées qui sont médecins. C'est aux jeunes des Hautes-Pyrénées aussi à maintenir les hôpitaux chez eux. Mais qu'est-ce qu'on nous raconte? S'il manque des médecins à Tarbes, il en manque dans toute la France. Alors, ce n'est pas qu'à Tarbes qu'il manque des médecins, il en manque dans toute la France. J'espère que dans quelques années, on aura les médecins qui seront formés, mais ça, c'est la faute de l'État. Un État, quand il est incapable de faire de la prévision, je me demande au ministère de la Santé pourquoi on paye des gens, parce que théoriquement, le rôle de l'État, c'est de former des médecins en fonction de la population. Plus la population augmente, plus il faut de médecins. C'était inversement proportionnel. On a fait moins de médecins avec plus de gens, sachant pertinemment qu'en plus de ça, les Hautes-Pyrénées, c'est un département qui vieillit, donc on aura encore besoin d'hôpitaux et de services publics. Donc, gardons l'hôpital de Tarbes, il est nécessaire. L'hôpital de Lourdes, les Hautes-Pyrénées, ils sont complémentaires. On est en zone de montagne. Nous ne sommes ni en Beauce ni en Brie. Il faut arrêter d'avoir des arguments stupides qui ne veulent rien dire et en plus ça, qui sont contre les gens. Parce que l'hôpital, sachez pertinemment, les gens de Lourdes, de la vallée, qu'on a besoin des hôpitaux. Vous le voyez, pour un oui, pour un non, on est bien content d'avoir notre hôpital de proximité à Lourdes. À Tarbes, il y en a un, c'est très bien. On est en zone de montagne, gardons nos hôpitaux, c'est nécessaire. La santé, ça n'a pas de prix, dit-on. Maintenons nos hôpitaux et aidez-nous à, dans toutes les réunions publiques, venez, c'est votre avenir qui se joue. Ne soyez pas innocent à dire ça ne sert à rien, tout est fait. Non, rien n'est fait. C'est à nous à démontrer qu'on ne veut pas d'un hôpital unique, on veut l'hôpital de Tarbes qui n'a que 46 ans, l'hôpital de Lourdes est nécessaire pour toute la vallée, on est en zone de montagne, n'oubliez jamais ça. Si, aidez-nous à combattre ce projet ridicule. Il n'y a pas eu de réunion programmée dans le calendrier à Lourdes. Est-ce que vous avez une explication? Alors, d'après l'explication qu'on a, d'après l'explication qu'on a eue de quelqu'un, je n'aurai pas le nom pour pas le gêner, le maire de Lourdes ne veut pas de réunion à Lourdes. Alors nous, on pense que c'est antidémocratique, parce qu'on veut fermer l'hôpital de Lourdes, et j'avais oublié de vous dire, on veut un débat à Lourdes. L'hôpital de Lourdes est intéressé, et nous sommes concernés. C'est la santé publique, c'est pas le maire qui décide seul. Attendez, il est élu, mais dans 3 ans, il peut ne plus être élu. Alors il faut qu'il arrête de faire n'importe quoi et de jouer contre la démocratie. La démocratie, c'est les débats. Et les débats, que ça lui plaise ou non, ben, il faudra qu'ils viennent. Comme ça, elle assumera devant les Lourdais. Et les Lourdais verront bien qu'en campagne électorale, elle n'a jamais dit sur sa ligne qu'il fermerait l'hôpital de Lourdes. Moi, j'avais dit en campagne électorale, jamais on ne touchera l'hôpital de Lourdes parce qu'il est nécessaire. Alors, il faut avoir un courage politique. On ne peut pas faire une chose et après avoir été élu, faire l'inverse. Donc, vivement le débat. À l'hôpital sur Lourdes, c'est nécessaire et on essaiera de tout faire pour qu'il y ait un débat à Lourdes, malgré la réticence du maire de Lourdes.